Salut les amis, c'est Benjamin. Cette semaine, la vidéo, c'est sur le travail que je suis en train de réaliser en ce moment. Donc, comme vous imaginez, l'intercept, le fait de ne pas mettre de désherbant dans les vignes et être en agriculture biologique, on est obligé d'utiliser ces appareils qui permettent de désherber, d'enlever l'herbe et tout ce qui se passe sous le rang. Ça permet de tout nettoyer. Donc voilà, derrière moi, il est attelé à mon tracteur, à mon fen de tête. C'est un intercept de la marque Bellhomme. Voilà. Il est équipé des deux boîtiers réflexes. Là, en l'occurrence, dans cette vigne, c'est monté avec une lame Curecep. Donc il y a les deux roues de jauge pour la hauteur de travail. Ensuite, nous avons un système de réglage de force, de pression de travail, voilà, avec une molette sur le distributeur, voilà, le réglage de la hauteur de travail pour les roues jockeys. Ensuite, j'ai rajouté moi une pointe pour aider le travail du cure flex, et voilà. Donc c'est un intercept que je passe environ 3 à 4 fois dans les vignes. Au mieux, je les passe que 3 fois, au pire, je les passe 4 fois. Voilà. C'est à peu près le travail qu'on a à faire quand on est en agriculture biologique. Gros avantage, c'est que c'est un intercept qui ne consomme que 8 litres minute d'huile hydraulique. Donc aujourd'hui, n'importe quel tracteur, même le plus petit des tracteurs, arrive à le faire fonctionner. Ça, c'est un gros avantage, parce que 8 litres, n'importe quel tracteur peut le faire. Moi, en l'occurrence, j'ai mis le fen parce que c'est mon tracteur de tête. Mais tout le monde est capable de travailler avec cet intercept. Ça, c'est un gros avantage. Donc voilà. Là, j'ai enlevé les palpeurs, comme vous pouvez le voir. Je travaille juste avec la pression de force, comme je vous ai montré, la pression de sécurité. Et ensuite, gros avantage, c'est qu'il a une molette de réglage pour la rapidité de retour. Donc cette molette sert tout simplement à faire rentrer et sortir le cure flex qui est derrière moi rapidement. Donc plus vous augmentez les chiffres, plus vous augmentez la vitesse de retour. Voilà. Ensuite, à cet intercept, juste une petite chose, c'est qu'on peut y équiper de disques Speedway que j'ai moi au domaine. Alors ça, le disque Speedway, je le passe uniquement dans les vignes qui ont le goutte à goutte enterré ou le goutte à goutte suspendu. Parce que gros avantage, c'est qu'au lieu de rouler à 5 km/h comme je le fais avec les CureFlex, je roule à 7 km/h. Donc je fais quasiment 6 hectares au jour, sans problème. Voilà, donc ça c'est un gros avantage parce qu'en 10 jours sur les 60 hectares, j'arrive à passer tout avec l'intercept. Donc ça c'est un gros avantage. Voilà. Allez, c'est parti, vous venez avec moi, je vous montre comment ça fonctionne. Donc allez, c'est parti, je me mets en ligne par rapport à ma rangée. Donc je vous explique rapidement le fonctionnement du Bellhomme une fois qu'on est à l'intérieur. Hop là. Mon irrigation, j'ai la borne d'irrigation qui est en plein milieu de la rangée, qui est sur la rangée. Voilà, donc là je suis dans une rangée où j'ai le goutte à goutte qui est posé au sol, collé contre les ceps de vigne. Donc comme vous avez vu, j'ai les cure flex sans palpeur. Donc la pression est réglée, bon c'est une certaine pression, c'est assez réactif, je roule quand même à 5 km/h et je fais un travail qui est quand même pas trop mal.
Donc là voilà, je vous montre le résultat de travail. Donc là je suis passé dans un sens et dans l'autre. Voilà. Alors regardez, tout a été retourné. Non, tout a été coupé. Hein. Voilà, voilà ça. Bien tout rasé quoi. Voilà. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc j'espère que je vous aurai montré assez de choses sur l'intercept Bellhomme. Surtout si vous avez des questions pour quoi que ce soit, soit le travail qu'on est en train de réaliser, soit ce qu'on va faire après la suite, ou soit l'intercept, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut avec Émilie. Surtout, portez-vous bien et à la semaine prochaine.